Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, le thème de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et même dans le background là Rin Itoshi sera le sujet de la vidéo Bien sûr, on va parler un peu, on va théoriser, surtout théoriser Comment pourrait être le personnage, et comment pourrait être ses compétences Et qu'est-ce qu'elles vont permettre au sein d'une bonne équipe On va sur de la théorie Rien d'officiel, je, je le répète, c'est rien d'officiel, rien n'a été annoncé. On ne sait pas si c'est le prochain perso. Et ça m'étonnerait que ce soit le prochain perso au vu de, de déjà ce qu'on a eu auparavant. Ok, du coup, c'est parti, les amis. On passe directement dans le jeu. On est sur le perso de euh, Itachi, Qu'est-ce que j'ai? Euh, Isagi oh, oh là 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 là, là ça commence mal, ça commence mal. Bref, c'est juste un exemple pour avoir la fiche technique du personnage. Et euh, là, pour ce personnage, il est surtout de type sagesse et intelligence. Mais pour Rinitoshi, je le verrai plutôt. Euh, en, surtout en tir et intelligence. Okay Ou sinon, tir, intelligence et puissance. Voire tir et puissance. Okay je je verrai ses statistiques en endurance et en polyvalence très 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 basse enfin pas très basse mais pas les meilleures et en termes de cartes je le verrai soit avec la tire du B... enfin soit avec la carte BLM on voit celle-là soit euh, je le dirais non pas lui euh... soit le la luck. soit la luck. pour être probablement la luck. Et, euh, et voilà. En termes de compétences, on va aller voir ça de suite, les amis. Let's go. On va faire ça. Et let's go. Alors, on est ici. Voilà. Ça, ça serait sa première compétence, je dirais. Ça serait plutôt un style de passif, euh, passif skill qui permettrait en fait euh, vraiment. Euh, D'ignorer la défense depuis le milieu de terrain et non, du coup, depuis le poste du milieu de terrain et non depuis le poste d'attaquant. Euh, Pour la deuxième compétence, dites-moi en commentaire d'ailleurs votre avis, votre théorie, ce que vous en pensez. Pour la deuxième euh, compétence, je dirais qu'on est plutôt sur la compétence speak qui serait vraiment très, 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 très intéressante et la plus. Euh la plus dangereuse du personnage, ce sera là où il faudrait interdire l'unité, en fait, de toute passe, parce que s'il a cette compétence active, euh, quand on dit que c'est 100% de but assuré, hein, au cas où si c'est ça, en termes de capacité, je pense que je dirais qu'il euh, qu pourrait réduire les statistiques de l'adversaire selon euh, selon euh, le but selon la, la compétence activée mais si c'est cette compétence activée je dirais réduire euh, la luck et euh, et principalement la luck d'ailleurs comme euh, comme statistique chez les, euh, les opposants du coup chez les adversaires et du coup voilà on a les deux compétences la troisième compétence que je n'ai pas réussi à record mais c'est plutôt une sorte de, de contrôle de jeu qui permettrait euh, d'optimiser plutôt la team et ça ça pourrait être euh, très 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 mais très bon pour l'entraînement et qui augmenterait les chances soit de statistiques soit euh, d'être toujours en bon état pour euh, pour euh, la team et pour l'entraînement du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo euh, vraiment très rapide j'espère qu'elle vous a plu les amis Petit pouce bleu et abonnez niveau à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine, peace.